Zoom Zoom Zen sur France Inter. Contrairement aux limites planétaires, elle est loin d'être dépassée. Bonjour, meilleure vanne de l'année. On peut mettre une cymbale. Bonjour Rosa Burstein. Bonjour Mathieu. Alors Rosa, avec les limites planétaires, avons-nous atteint les limites de votre patience pour les sujets compliqués? Non Mathieu, jamais. Grâce à votre émission, je repousse mes limites d'humoriste. Vous ne m'avez pas encore proposé un petit sujet sur l'excision, tiens. Bah pourquoi pas. En attendant, les limites planétaires, 6 ont été dépassées, la dernière étant l'eau douce qu'on peut désormais mais qualifié d'eau vénère. J'ai voulu en parler hier soir à un dîner dans la famille de mon père pour Pessah, la Pâque juive. On mange pas d'œufs en chocolat mais des matzot, du pain sans levain parce qu'on aime souffrir. Mon oncle Bernard, psy lacanien, était parti dans l'une de ses diatribes sur l'esclavage et la sortie d'Égypte pour dériver vers Hitler et l'orgasme féminin. S'il était un bon psy, je pense qu'il devrait analyser le fait que ces deux sujets reviennent à chaque repas, toujours dans cet ordre. Quand je l'ai interrompu pour rappeler qu'avec le réchauffement climatique, on allait se retrouver à nouveau dans le désert. Plus de mer qui s'ouvre en deux, car plus de mer tout court. Camille Etienne serait Moïse, notre sauveuse, et le rapport du GIEC, l'étape de la loi. Là, ma cousine Yael est partie en vrille. Non mais stop Rosa, t'as vu ce qu'il a plu là? Ça fait 30 ans qu'on n'avait pas vu ça. Si t'es si écolo, t'as qu'à la récupérer la flotte et te laver le cul avec. Négationnisme climatique, insulte sur le physique, mépris de classe, le tout en une phrase. Certes, ma cousine est une connasse méprisante, mais elle a la politesse de le faire avec concision, certains diraient même avec circoncision. Je lui ai répondu, bah tu crois pas si bien dire Yael, je tire pas la chasse d'eau à chaque fois, mais que lorsque ça s'accumule avec la litière du chat, ses crottes, les nôtres, et là, ok, on peut tirer. Bon oui, ça sent un peu, mais on a une bougie pour masquer l'odeur. Yael a explosé de rire. Parfum lilas, j'imagine, comme votre banlieue de babos. J'ai pas insisté. Discuter avec des climato-sceptiques, c'est un peu comme chier dans de l'eau potable, du gâchis. Si tu leur dis que c'est à cause des émissions de CO2 que les océans se réchauffent, ils sont capables de te sortir. Mais les avions, ils sont dans l'air, pas dans la mer. Le feu, ça brûle, et l'eau, ça mouille tous les oiseaux. On vole dans le ciel. Moi, je prends de moins en moins l'avion, mais c'est pas vraiment à mon honneur. C'est parce que j'ai des soucis d'oreille interne. Donc la pression me donne des nausées, des vertiges. Même en mâchant du chewing-gum, ça arrange rien. Ça me fait juste péter. Mais je l'avouerai jamais à ma cousine. Elle veut de la bobo qui se croit au-dessus de tout le monde. Elle en aura. J'ai la solution, moi. Et si à la place de diamants dans les poches, les riches avaient des cristaux dans les oreilles, ils prendraient moins leur jet et tout le monde aurait plus d'or bleu. Alors, est-ce que ce sont des blagues pour ORL? Oui, peut-être. Un petit peu. Mais les ORL, ils ont du pouvoir d'achat, ok? Ils réservent pour mon spectacle. Je peux pas compter que sur mon public de féministes pigistes aux cheveux roses. Pour conclure, j'ai peur des limites planétaires qu'on va encore dépasser, comme des plaies d'Égypte. Et vu l'état de la biodiversité, on n'aura pas une invasion de sauterelles, mais plutôt l'orage de grêle. Le réchauffement climatique va plonger l'Europe dans un froid polaire. Ce sera Game of Thrones. Sans les dragons, mais avec des mammouths. Il y a un laboratoire américain qui investit des millions pour fabriquer un œuf avec de l'ADN extrait d'un fossile. Pourquoi empêcher l'extinction d'espèces vivantes quand on peut ressusciter celle de la préhistoire? Allez, si on modifie la génétique d'éléphants, faisons aussi parler les baleines, donnons-leur une voix, qu'elles soient capables de râler encore plus fort que des Français. Encore plus fort que Cyril Lacarrière, ça serait vraiment un prodige de la science. Merci Rosa Burstein, on vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen.